traverser en toute sécurité. Kevin! Kevin, on est en retard, dépêche-toi! Salut Doug! Regarde le dinosaure que j'ai fabriqué pour Jenny! Horrible! Il ne risque pas de lui plaire! Ah ouais? Et toi alors, qu'est-ce que t'as pour elle? On peut savoir? Là! Dans cette boîte, j'ai un cadeau qui plairait à n'importe quelle fille! Fais voir! Waouh! Trop génial! Oh, je le veux! Pas question! C'est mon cadeau d'anniversaire pour Jenny! Mais enfin, Doug! Jenny ne sera jamais autant intéressée que moi par un scarabée! Hein? Je te parie qu'elle le préférera à ton dinosaure. Mais t'es pas sérieux? Bien sûr qu'aussi. Et pourquoi on n'irait pas demander à Jenny quel cadeau elle préfère? D'accord. Hey, je lui montrerai le mien en premier. Doug, attends. Hey, attends-moi, Doug. Je suis derrière vous, les amis. Laissez-moi passer. Hooper est sur sa lancée. Je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. J'ai plein de colis à livrer. Oh. Hé, mon gars, pousse-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Ça, c'est ton problème. Quoi? Tu ne peux pas te dépêcher. Oh, bien sûr que si. Hé, il faut apprendre à conduire. Oh, c'était moi une... Hooper, tu as dépassé la ligne blanche. Oh, Polly! Et si quelqu'un avait traversé la route en courant? Je n'ai pas fait attention, je suis désolé. Quand tu t'approches d'un passage piéton, il faut que tu ralentisses, d'accord? Je le ferai, promis. Oh, hein? Le feu est au vert. À la prochaine, Polly! Hooper! Oh, je ne suis pas sûr qu'il retiendra la leçon. Laisse-moi passer! Oh, ne pousse pas! C'est la maison de Jenny de l'autre côté de la rue! Aïe, aïe, aïe. Ça va pas, non? Pourquoi tu t'arrêtes d'un seul coup? J'attends que ce soit vert! Quoi? Tu t'es arrêté parce que je courais plus vite que toi, oui? Qu'est-ce que tu dis? J'étais devant toi d'abord! Peut-être, mais j'étais sur le point de te doubler! C'est ça! Bon, alors on va voir qui est le plus rapide! D'accord, ça sera pas toi de toute façon! Ah, ce postille, franchement, je suis toujours en retard à cause de lui. Oh, le voilà justement. Cette fois, il ne va pas me ralentir. Hein? Ça risque de devenir très dangereux. Feu vert! C'est parti! Hooper, tu aurais dû ralentir. Tous les deux, vous n'avez rien? Non, ça va. Kevin, Doug, vous ne devez jamais traverser la rue en courant, même quand le feu est vert. Mais je croyais qu'on pouvait y aller, moi, quand le feu était vert. Oui, moi aussi. Quand le feu est vert, on a l'autorisation de traverser, mais pas en courant comme vous l'avez fait. Soyez prudents. Des voitures peuvent ne pas voir le passage au feu rouge. Et freiner trop tard. Alors comment on doit faire pour traverser la rue sans prendre de risques? On voudrait bien voler, mais on ne peut pas. J'ai une méthode. Il y a simplement 3 points à retenir et vous pourrez traverser la rue sans prendre aucun risque. Seulement 3 points? Premier point, toujours s'arrêter sur le bord du trottoir avant de s'engager sur le passage piéton. Et attendre que le feu pour les piétons soit vert. Même si le feu est vert, il faut s'arrêter et regarder des deux côtés. Oh. Deuxième point, assurez-vous que toutes les voitures s'arrêtent avant de traverser. Regardez les conducteurs dans les yeux et vérifiez que toutes les voitures sont arrêtées en traversant. Troisième point, ne quittez pas les voitures des yeux en traversant. Vérifiez bien que vous voyez toutes les voitures et que tous les conducteurs vous voient. D'accord. Alors, vous vous en souviendrez? Oui. Ce qui est important, ce n'est pas de traverser vite, mais c'est de traverser en toute sécurité. Compris? C'est compris, Polly. Pour toi. Alors lequel tu préfères? Mon dinosaure est mieux, hein? Un scarabée vivant, c'est quand même mieux, hein? Alors? Alors? Égalité! Lequel tu préfères?
préfère Jenny. Ils sont